Et nous arrivons maintenant au dernier orateur de la session, qui est le professeur Yann Le Ruth. Professeur Yann Le Ruth est professeur de chirurgie à l'Université catholique de Louvain. Il travaille dans la transplantation hépatique, qui est sa passion, car il a été, je dirais, il le dit lui-même, dans toutes les cultures. Il a été en France, il a été aux États-Unis, c'est un élève de Stausen. Et il développe depuis très longtemps donc, la transplantation hépatique en Belgique. Il est actuellement, d'ailleurs, le président de la section, je crois, la section... Non, tu as été président de la Société européenne de transplantation, l'ESOT, qui est la grande société de transplantation européenne. Et voilà, toute ta vie est consacrée à la transplantation. Yann. En effet. Donc, je voudrais d'abord remercier naturellement l'Académie pour l'invitation. C'est la deuxième fois pour moi aussi, ça fait longtemps. Et comme chirurgien, je ne vais pas vous montrer beaucoup de diapositives d'une opération parce que mes idées sur la transplantation sont un peu différentes. Et je suis un assez fervent défenseur du fait que le chirurgien doit s'occuper d'un patient greffé, pas seulement, mais en équipe, et qu'il ne faut pas sûrement donner tout ça à nos confrères de médecine interne. Je pense que c'est une erreur pour le futur et c'est ça que je vais essayer de vous montrer. Et c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai appris il y a 20 ou 30 ans ici à Paris. Alors, on ne se réalise peut-être pas, mais dans 6 mois, ça ferait 50 ans qu'on fait la greffe hépatique. Donc c'est une année très importante l'année prochaine. Et comme l'a montré Jean Aymon, vous avez compris que les progrès qui sont faits en transplantation, ils sont naturellement énormes. On a passé maintenant le cap de 250 000 greffes hépatiques dans le monde. Et les registres européens tenus à Paul Brousse a montré qu'on a en Europe aussi passé le cap des 100 000 greffes. C'est quand même une évolution incroyable. Alors, cette évolution, pourquoi est-ce qu'elle a été possible? Elle a été surtout possible parce qu'il y a eu un intérêt de raffiner trois axes de la transplantation. Le premier, c'est naturellement le raffinement, ce que Stars l'a toujours appelé l'opération impossible à faire chez l'être humain. Le deuxième axe qui a été développé, c'est l'amélioration très importante des soins médicaux du patient. Et comme M. Bollier l'a dit, ces soins commencent durant la greffe, c'est ce qu'on oublie. Et d'ailleurs, aux États-Unis, si je ne me trompe pas, on a exigé il y a quelques semaines ou quelques mois que chaque centre de transplantation qui s'occupe du foie doit avoir une équipe d'anesthésistes qui est spécifiquement dédiée à ça. Je pense qu'il ne faut pas oublier ça en Europe parce que ça devient un grand problème, je trouve, en Europe. Et finalement, le troisième axe qui a été développé, c'est la recherche sur l'immunosuppression. Et je ne sais pas pourquoi, mais on a toujours eu peur que tous les organes qu'on greffe soient rejetés. Et je vais essayer de vous montrer qu'il ne faut pas avoir trop peur de ça et qu'il faut même raisonner juste à l'envers, et c'est ce que j'essaie de faire maintenant depuis plus que 20 ans en étant un chirurgien qui s'occupe de la transplantation du foie. Alors le troisième axe, vous voyez ici, cette peur est bien traduite par cette diapositive. En fait, nous sommes inondés, curieusement, les dernières années par une multitude de molécules qu'on utilise. Et malheureusement, je pense que beaucoup de choses qui se passent en greffe, ils sont un peu tordus. Pourquoi ? Parce que ce sont les firmes pharmaceutiques qui demandent aux chirurgiens, aux médecins de traiter leurs patients greffés avec tel et tel médicament, et pire encore, avec tel et tel cocktail, et pire encore, les firmes écrivent les articles sur lesquels les transplanteurs mettent leur nom, et c'est quelque chose que je n'aime pas du tout, vous allez voir pourquoi. Alors, où est-ce qu'on en est? Pourquoi est-ce qu'il faut minimaliser l'immunosuppression? Eh bien, c'est très clair, tous ces médicaments, tous, sans exception aucune, ont beaucoup d'effets secondaires. Et les effets secondaires que vous voyez ici, ils sont multiples. Et je pense que ça ne peut pas être le but de greffer un patient en transformant une maladie qu'il avait, c'est-à-dire la maladie du foie, en plusieurs autres maladies qui nécessitent beaucoup de soins et qui coûtent beaucoup d'argent. Et je pense que le futur dans la greffe, ça va être aussi de réduire, comme a dit Mario, chercher des moyens pour réduire les frais à soigner un patient. Donc il est clair qu'on doit maintenant regarder à chercher pour le meilleur traitement du patient, et chaque patient est par définition différent, donc ça ne peut pas être le cas que tous les patients ont les mêmes médicaments et les mêmes traitements. Il faut individualiser l'approche du patient.
La deuxième raison pour minimaliser l'immunosuppression, c'est le fait que nous savons maintenant, avec les progrès qui ont été faits, que la perte la plus importante des greffons, ce n'est pas le greffon qui va mal, mais c'est le patient qui va mal, c'est le patient qui meurt avec un greffon qui fonctionne. Et ça, c'est très important dans notre société d'aujourd'hui, puisque nous sommes confrontés avec le syndrome métabolique. Nous connaissons très, très bien ça. C'est vraiment une plaie pour les médecins qui suivent les patients greffés. Et nous savons qu'à peu près 40%, si ce n'est même pas plus, des patients sont porteurs d'un syndrome métabolique. Et beaucoup de ces patients, d'ailleurs, décèdent des maladies cardiovasculaires. Donc ça, c'est la deuxième raison pour minimaliser les traitements immunosuppresseurs. Alors la troisième raison, c'est que nous savons tous, sans exception, ça vaut pour chaque patient, que quand on est sous immunosuppression à vie, on peut mourir pas seulement de complications cardiovasculaires, mais il y a des complications infectieuses qui restent. Il y a des problèmes notamment rénaux, parce que les meilleurs médicaments qu'on utilise, les inhibiteurs de calcineurine, détruisent au fur et à mesure les reins, même si on diminue les doses, une fois que le processus est mis en route, il ne s'arrête plus. Et finalement, beaucoup de gens meurent encore d'une tumeur, et il y a quelques études qui sont bien faites dans le monde qui ont bien pu prouver qu'un patient immunodéprimé, il a beaucoup, beaucoup plus de chances de mourir d'un cancer qu'un autre patient non greffé. Alors, une autre raison pour laquelle on doit minimaliser l'immunosuppression, c'est que maintenant, on ne parle plus d'une survie à 5 ans, mais on parle d'une survie à 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Il y en a plusieurs qui vivent 25 ans après une greffe. Et donc, l'intérêt des médecins doit être orienté de plus en plus vers la qualité de vie du patient et pas sur justement le greffon qui fonctionne, oui ou non. Et naturellement, de pair va avec ces raisonnements qu'on doit trouver des moyens pour réduire et pourquoi pas arrêter complètement l'immunosuppression. Donc, comme je l'ai dit déjà auparavant, minimaliser, c'est sûrement une chose qu'il faut faire, mais minimaliser en adaptant aux patients, c'est une autre chose qu'il faut faire aussi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Quel est le but de minimaliser les immunosuppresseurs? C'est d'abord éliminer les médicaments qui sont les plus nocifs. Nous savons tous, en étant médecin ici, qu'un médicament qui détruit le corps complètement, si on le prend pendant des années, ce sont les stéroïdes. Il n'y a rien à faire, les stéroïdes vous détruisent. Inutile de dire que c'est un médicament, je ne l'utilise jamais. Deuxièmement, il faut peut-être éliminer les drogues de base qu'on utilise maintenant, c'est le Prograft, c'est la cyclosporine. Pourquoi? Parce que nous savons que de plus en plus de patients qui sont greffés de n'importe quel organe, le cœur, le poumon, le rein, le pancréas et le foie, finalement, ils arrivent de nouveau dans un système d'insuffisance rénale et il y a beaucoup de patients greffés d'un autre organe extra-rénal qui doivent avoir une greffe rénale. Et puis, troisièmement, pourquoi pas, c'est peut-être mieux d'éliminer les médicaments ou presque l'éliminer, comme a dit Roy Kahn, c'est probe tolerance du mot latin, ce qui veut dire tolérance à peu près, mais je pense que c'est comme pour une grossesse, on est enceinte ou on n'est pas. Donc, la vraie tolérance, ça veut dire qu'on n'a pas de médicaments. Alors, quelles sont les modalités? On peut d'ailleurs naturellement travailler d'abord en éliminant les stéroïdes, cortisone. Par après, on peut se dire ce qui reste, est-ce qu'on peut l'enlever aussi. Si on fait ça, on arrive finalement avec un patient qui prend encore un immunosuppresseur. Et finalement, quand il en a un, pourquoi pas essayer de le retirer. On va voir si c'est possible. Alors, les stéroïdes, je ne dois pas vous le dire, quand vous voyez les photos, les stéroïdes ont tellement d'effets secondaires, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas seulement des effets secondaires physiques, mais c'est souvent aussi des effets secondaires psychiques, ce qui est très important pour ces patients, parce que souvent, ils vont bien, mais la vie familiale ou la vie sociale ou professionnelle est devenue infernale, entre autres, à cause de l'utilisation des stéroïdes. Est-ce qu'on peut faire la greffe sans stéroïdes? Oui, on peut le faire peut-être, mais vous voyez tout de suite, beaucoup de gens n'étaient pas pour ça parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions. Et pour vous donner une idée, dans toute la littérature de la transplantation rénale, c'est incroyable, mais c'est vrai, il y a une seule étude prospective randomisée qui a été faite montrant des séries avec stéroïdes et sans stéroïdes. Et qu'est-ce qu'on a montré finalement? Qu'après 5 ans, c'était peut-être mieux d'utiliser des stéroïdes. C'est la seule étude que j'ai trouvée. Elle a été publiée par un groupe multicentrique canadien. Donc ça montre bien que beaucoup de choses qu'on fait en transplantation, il n'y a vraiment pas d'evidence-based medicine.
Alors, est-ce que c'est faisable chez les enfants? C'est une autre question. Quel est l'impact sur beaucoup de maladies? Il ne faut pas oublier que la moitié des patients qu'on greffe adultes sont greffés pour une hépatite C, pour une cirrhose virale C. Les patients qui ont des stéroïdes, quand on enlève les médicaments, c'est très bien connu de l'expérience rénale, ils peuvent faire ce qu'on appelle un breakthrough rejection, donc pour diminuer la dose de cortisone, et tout à coup, le patient passe à travers la diminution des stéroïdes. Qu'est-ce qui en est des résultats à long terme? Parce que c'est finalement ça le plus important, ce n'est pas les résultats immédiats qui comptent, c'est les résultats à 5, 10 et 15 ans. Est-ce que ces patients développent un rejet chronique ou non? Et finalement, quel est leur rôle dans le processus de tolérance? Et là, on peut déjà donner une réponse. Il y a beaucoup d'expériments, aussi bien chez les petits animaux que chez les grands animaux, qui ont montré que quand vous donnez des stéroïdes chez un patient, un animal qui est greffé, eh bien, vous interférez avec le processus de tolérance. Donc, c'est déjà une idée à retenir pour plus tard. Alors, la dernière question, c'est finalement, comment est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on donne beaucoup de stéroïdes? Est-ce qu'on enlève après une semaine, après deux semaines, après trois mois, après six mois? Est-ce qu'on fait ça en alternance? Vous pouvez lire des articles, il y en a des dizaines et des dizaines, mais il n'y a aucune structure là-dedans. Et je me suis amusé une fois, il y a quelques années, à refaire la littérature là-dessus, et vous voyez que, en fait, faire la transplantation sans utilisation de stéroïdes, il y avait peu d'études, il y avait peu d'études contrôlées, et il y avait seulement deux études qui étaient faites en 15 ans de temps en utilisant le processus de double aveugle et de contrôle au placebo. Et vous voyez, quand vous voyez les chiffres sur le succès, sur le taux, l'incidence de rejet, il y a quelque chose qui est impossible pour moi. Ce n'est pas possible que des compétents, des professionnels, peuvent trouver dans un même système de travail des différences, par exemple, des rejets qui vont de 5 à 55%. Donc ça veut dire qu'il y a déjà un grand problème dans les interprétations, dans les résultats. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Que la variabilité est très grande dans toutes ces études, mais ça montre bien que ça a été possible. Et la première équipe qui a fait ça, et qui était d'ailleurs beaucoup, beaucoup critiquée au début, c'était l'équipe de Birmingham qui a tenu l'agent prêt et a dit « on va travailler sans stéroïdes ». Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Parce que l'indication principale en Angleterre, à Birmingham, dans le temps, c'était la cirrhose biliaire primitive. Ce sont des patients, souvent des femmes, qui ont une cholestase très, très prolongée. Et évidemment, si les patients étaient sous stéroïdes, une des grandes complications, c'était les fractures vertébraux. Donc ça, c'est une des raisons qui explique ça. Alors, l'étape suivante, c'est naturellement, si on peut le faire sans stéroïdes, si on peut retirer les stéroïdes, est-ce qu'on ne peut pas faire la transplantation en éliminant complètement les stéroïdes? Ce que les Américains appellent le « steroid avoidance ». Et ça, c'est un concept qui est intéressant parce que, d'abord, quelqu'un qui n'a jamais eu de stéroïdes, il ne peut pas faire un rejet à travers, je dirais, la diminution de la dose des stéroïdes. Mais aussi, on a démontré en recherche expérimentale qu'un animal qui prend des stéroïdes, ou même un être humain, ou qui ne prend pas, il a une adaptation de son système immunitaire. Donc, c'est important de savoir qu'il y a des bases expérimentales de ça qui montrent que c'est possible. Et de nouveau, j'avais fait il y a quelques années une revue de la littérature, et vous voyez ici de nouveau ce qui est étonnant, mais en fait, ce n'est pas étonnant du tout. Si vous parlez maintenant des deux dits ensemble, le retrait des stéroïdes et éliminer les stéroïdes, donc de 1990 à 2007, finalement, il y avait dans le dia précédent deux études, et ici de nouveau, deux études, double-blind placebo-controlled. Et la raison vraie pour tout ça, c'est qu'en fait, l'industrie pharmaceutique impose au centre de faire des études. Si on participe aux études, on ramène de l'argent pour son service, mais finalement, je pense, on ne sert pas la médecine de transplantation. C'est mon interprétation des choses. Vous voyez ça, ce que je dis, c'est en fait confirmé par les différents designs des studies. Et si j'ajouterais maintenant les doses pour toutes ces études, je devrais encore montrer trois dias en plus, parce qu'on peut utiliser avec tel niveau et tel niveau et telle drogue, etc. Donc c'est très compliqué. Mais il y avait une étude américaine qui a été très bien faite par Eason, qui était d'ailleurs le chirurgien qui a transplanté, je pense, Steve Jobs, qui travaillait beaucoup avec la monothérapie d'un médicament. Et souvent, quand j'allais d'ailleurs parler en congrès, on était souvent dans les mêmes séances et on se succédait, donc c'était assez intéressant. Qu'est-ce que sont les résultats? De nouveau, la même remarque que j'ai faite tantôt. Comment est-ce que c'est possible, de 2000 à 2010, que des pathologistes, je dirais, routiniers, ont des incidences de rejet
des études faites en grands centres qui font de 6 à 86%. Donc, vous voyez déjà, il y a un grand problème. Et entre-temps, il y avait même une publication par Wiesner, qui était les pathologues de la Mayo Clinic, qui avait commencé à montrer que c'est peut-être mieux de faire un rejet, parce que les patients qui avaient fait un rejet avaient une meilleure survie à 5 ans. Donc, de nouveau, quelque chose à retenir. Peut-être le rejet, c'est quelque chose qu'il ne faut pas absolument vouloir éliminer. Il faut tenir compte de tout ce qui est publié. Donc, de nouveau, la même conclusion, variabilité importante, mais il y a des centres qui ont montré que c'était en effet possible de faire la transplantation sans stéroïdes du tout. Alors, nous, on s'intéresse depuis 20 ans à Bruxelles, dans mon unité, à la transplantation avec une immunosuppression réduite. Et on a sorti en 2009, dans les Annals of Surgery, l'étude Tacrolimus monothérapie en transplantation hépatique. Et je pense que c'est encore toujours aujourd'hui la seule étude qui a été faite de manière prospective, randomisée, en double aveugle et avec un contrôle placebo. Et d'ailleurs, cette étude a reçu Recognition Award de la Transplantation Society pour la meilleure investigator-driven study. Parce que vous avez compris, je ne travaille jamais avec une firme pharmaceutique. Pourquoi? Parce que je n'ai pas un minimum de level immunosuppresseur chez mes patients, parce que j'ai d'autres idées là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait? Donc, on avait pris des patients, c'est ce que j'appelle une reality study in transplantation, parce que si vous participez avec une étude, avec une firme, ils vont vous dire, le patient qui a une insuffisance rénale est exclu, le patient qui est en réanimation est exclu, le patient qui a un cancer qui est exclu. Donc, on a fait une étude où tous les patients, sans exception aucune, étaient inclus, tous, vous allez voir par après. Et l'idée, c'était justement, pourquoi? Parce que le contrôle arm de l'étude, c'était des patients qui avaient tacrolimus et un placebo. Donc, plus qu'il était malade, en fait, c'était encore mieux qu'il pouvait être, je dirais, dans le groupe avec le placebo. Vous voyez qu'il n'y a pas de trough level minimal. Nous n'utilisons jamais, au moment de la greffe, donc je ne suis pas un très fervent de la pharmacogénétique où on détermine les doses en avant, je pense que c'est un non-sens pour moi, on introduit progressivement les doses de tacrolimus en adaptant ce qu'on donne à la situation, la gravité de maladie du patient. Les patients reçoivent juste en péroopératoire 1 g de hydrocortisone parce qu'il y a beaucoup d'études, entre autres de Makuchi, qui ont bien démontré que c'est utile pour diminuer l'ischémie réperfusion. Ça, c'est important. Et vous voyez, chez tous les patients, sans exception aucune, on a retiré à partir de la troisième semaine, en fait, les corticoïdes, le placebo. Et vous voyez ici, j'ai utilisé les corticoïdes parce que je voulais prouver que ce n'est pas nécessaire. Donc, je suis retourné en arrière et j'ai fait une étude avec des stéroïdes. Et vous voyez, ce qui est important, tous les patients avaient des biopsies protocolaires, tous. Et tous les biopsies, d'ailleurs, tout le traitement des patients était fait d'une façon aveugle. Donc, personne n'était au courant de ce que le patient recevait parce que le placebo était fait dans la même pharmacie avec le même goût des gélules, la même forme des gélules, etc. Donc, il n'y avait pas de différence entre le stéroïde et le placebo. Alors, vous voyez ici, juste pour dire qu'on avait inclus là-dedans tous les patients, vous voyez dans le TAC placebo group, par chance, c'était comme ça, c'était peut-être une bonne chose pour l'étude. Il y avait significativement plus de patients qui, au moment de la greffe, étaient sous dialyse et étaient intubés, ce qui explique naturellement qu'il y a plus d'insuffisance rénale. Et vous voyez aussi, en tenant compte du MELD score et de l'UNOS, UNOS 1, ça veut dire que votre patient est hospitalisé aux soins intensifs au moment de la greffe, et UNOS 2 veut dire qu'il est toujours à l'hôpital au moment de la greffe. Quand on voit les résultats pour les gens qui étaient sous monothérapie tacrolimus et placebo versus ceux tacrolimus et stéroïdes, il n'y a aucune différence dans la survie, ni à 1 ni à 5 ans. Et ce qui était très intéressant, parce que toutes les biopsies ont été lues aveuglement par l'anatomopathologue. Nous avons scoré ces biopsies selon le BANF, qui est le Standard of Science selon les pathologues en transplantation. Et vous voyez que c'est au point même identique entre les deux groupes. Donc ça veut dire que ce n'est peut-être pas tellement utile de voir les scores de BANF. On va revenir là-dessus. Et vous voyez aussi que ces résultats ont été obtenus. Donc 50% des patients avaient un rejet dans les deux groupes modérés ou sévères. Mais nous ne traitons de principe presque jamais les rejets. Vous allez voir ça par après. Et ces résultats sont obtenus chez la moitié des patients qui avaient seulement dans le groupe placebo une dose infrathérapeutique de tacrolimus et tout ce qu'il avait. Alors nous, on a cherché un peu plus loin. On est allé voir ce que j'ai appelé maintenant le concept de l'immunosuppression in situ. Donc on est allé doser dans le tissu hépatique quel était le taux du prograf du tacrolimus.
Et quand vous voyez les points bleus, il n'y a aucune corrélation entre le degré du BANF qui va de 0 à 9. 9, ça veut dire un rejet sévère. Vous pouvez avoir le taux plus haut avec un rejet faible, un rejet sévère avec le même taux dans le sang. Mais quand on va chercher dans le tissu hépatique, vous voyez, quand vous avez beaucoup de tacrolimus dans les tissus, vous n'avez sur la biopsie pas de rejet du tout. Et on a encore été allé plus loin. On a maintenant dosé le tacrolimus sur l'infiltrat lymphocytaire dans le tissu hépatique. Et de nouveau, biopsy proven rejection, donc la biopsie à l'anapath, vous voyez que moins haut est la dose, plus que vous avez du rejet. Donc c'est intéressant et je pense que dans le futur, il faut plus travailler là-dessus parce que les taux dans le sang ne reflètent en fait pas du tout la réalité. Alors, quels étaient les résultats immunologiques? Ça, c'est notamment important. On a d'abord vu à 3 mois. Pourquoi 3 mois? Parce que nous, on est des fervents du registre européen de transplantation. Et là-dedans, toutes les complications sont notées comme early, si ça, durant les premiers 3 mois. Et c'est late, quand c'est après 3 mois. Vous voyez que les rejets ici cortico-sensibles, pour nous, c'est quelqu'un qui ne répond pas à 1 gramme de cortisone. Dans certains centres, ça peut être 5 grammes, mais chez nous, c'est 1 gramme. Vous voyez, dans le groupe des stéroïdes, on a plusieurs patients qui ont fait un rejet après qu'on a arrêté les stéroïdes. Donc, ça confirme ce que j'ai dit. Il y avait plus de rejets cortico-résistants dans le groupe placebo, mais c'était dû au fait, et on va voir ça par après, qu'il y avait plus de gens dans ce groupe-là qui étaient sous dialyse au moment de la greffe. Et puisqu'on adapte la dose journalière qu'on donne aux patients à la fonction rénale, c'est compréhensible qu'ils avaient encore moins dans le sang et qu'ils font plus de rejets. Finalement, durant la première année, qu'est-ce qu'on fait? On continue à diminuer tous ces patients en immunosuppression. Vous voyez qu'en général, on arrive à 20% de rejets. Ça ne veut pas dire qu'on les traite tous. Mais ce qui est important, c'est que vous voyez que 90% des patients, à peu près 9 patients sur 10, n'ont presque pas de médicaments à une année. Et donc, inutile de dire que ces patients, ils évoluent souvent très, très bien. Donc, ça, c'est les rejets. Vous voyez, dans les deux groupes, aucune différence. Si on prend maintenant les rejets cortico-résistants, ici, il y a une différence significative. Mais si on élimine les 10 patients qui étaient sous dialyse, en fait, le taux devient non significatif. Donc, ça veut dire que dans le futur, il vaut mieux adapter chez ces patients, dès le début, l'immunosuppression en ajoutant un agent qui n'est pas néphrotoxique ou peut-être seulement ça. Les biopsies, c'est important. Je pense qu'une étude qui n'a pas de biopsie, maintenant on est en train de publier les résultats à 5 ans, je peux déjà vous dire qu'il n'y a aucune différence. Vous voyez que les biopsies sont identiques. Le rejet chronique, on avait un patient sur les 160 patients, donc presque pas existant. Ce qui est très important pour les patients greffés, quel est leur suivi médical? Vous voyez le diabète de novo, qui est quand même une complication fréquente en greffe hépatique, c'est peu fréquent, 7 à 8%. L'insuffisance rénale, très peu, comme vous voyez, et les autres complications. Et ce qui est important, c'est que le score de performance de Skarnowski, que j'utilise pour tous les patients greffés, je trouve que c'est très facile. Ça vient de l'oncologie, mais ça donne une très bonne idée comment évolue le patient. Une population normale, un Skarnowski de 85 à 90%, pourquoi est-ce que ces patients sont plus hauts? Parce qu'ils comparent naturellement avec leur situation avant la greffe qui est souvent délabrant. Alors ça, c'est ce qui s'est passé donc à Bruxelles. Je suis arrivé ici, à Bruxelles, vous voyez. Et dès que je suis venu, j'ai changé l'immunosuppression. Chaque fois, j'ai amené une drogue. On est maintenant systématiquement avec une drogue. Et moins qu'on donne des drogues, moins qu'on a des rejets, ce qui est la ligne jaune. Donc ça prouve que je pense qu'on a été beaucoup, beaucoup trop agressif à traiter ces patients, et on va maintenant voir d'où on vient. D'où on vient, moi j'appelle ça, c'est la bombe d'Hiroshima, ça c'est pour moi l'immunosuppression, voilà. Vous avez un patient, vous donnez plusieurs médicaments, c'est une DIA qui vient de Starzl, mais j'ai ajouté ici mon interprétation, vous mettez la bombe sur Hiroshima, voilà, c'est ce qui se passe, il n'y a plus rien, mais on sait tous bien qu'une bombe atomique ne peut pas tuer tout le monde, et nous savons tous bien que les plus fervents opposants à l'énergie nucléaire, la bombe atomique, sont les survivants justement de Hiroshima. Et les survivants, ils peuvent être très agressifs, comme on sait. Et quand on devient très agressif, on détruit finalement son greffon. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous? Je suis un adepte naturellement de Starzl, inutile de vous le dire. On donne maintenant aux patients une seule dose d'ATG. On fait une autre étude maintenant qui est en cours depuis 4 années. L'armée a été réduite. Si vous avez une petite armée, va se battre contre
l'organe, mais tout le monde est épuisé, l'organe va être accepté. Donc, le raisonnement est pour moi assez logique là-dedans. Et donc, on retrouve ça d'ailleurs dans le fameux article de Starzl que malheureusement peu de gens croient, publié en 2003. Et vous voyez qu'ici, sur la diapositive, de plus en plus de patients sont sous monothérapie, ont presque plus d'immunosuppression parce qu'on diminue en même temps la dose. Et donc, je pense qu'il ne faut pas oublier cet article. Il faut le relire. Et ce qui est intéressant dans cet article, il a fait la même conclusion pour la greffe rénale. Quand je parle avec le néphrologue et mes collègues transplanteurs, ils me disent, oui, mais le rein, c'est complètement différent du foie, ça ne marche pas. Je ne suis pas convaincu de ça. Donc, où est-ce que ça nous amène? Voilà, ça nous amène là. Ce sont mes patients que je vois à la consultation. J'en ai plusieurs, croyez-moi. Patients qui prennent une fois par semaine un immunosuppresseur, un seul. Il y a des patients, on a une vingtaine de patients sans immunosuppression du tout. Donc, on les suit naturellement avec biopsie, parce que ça, c'est une condition très, très importante. Et j'ai une fois repris tous les patients qui sont exclusivement suivis dans notre centre à Bruxelles, parce que beaucoup de patients sont naturellement suivis à l'extérieur, dans des centres périphériques. Quand je prends à peu près 400 patients que je suis personnellement presque toutes les semaines, eh bien, qu'est-ce que je vois? Qu'à peu près la moitié des patients n'ont presque pas ou n'ont pas du tout d'immunosuppression. Et vous voyez, juste pour vous donner un exemple, il y a un nombre de patients, on ne dose même plus jamais l'immunosuppresseur parce qu'ils sont tellement bas qu'on ne le trouve même pas, mais puisqu'ils prennent encore même une ou deux fois par semaine leur immunosuppresseur, on ne les considère pas comme tolérants puisqu'ils prennent encore leurs médicaments. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, moi je suis un adepte d'un autre grand ami de Starzl, drugs added when needed. Et je pense que c'est ça une philosophie qui est importante. Surtout maintenant avec le système de MELT, les patients sont devenus très très malades. On sait tous que la mortalité est plus haute, que la morbidité est plus haute. Donc plus que le patient est malade, plus qu'on est prudent en introduisant les médicaments. Et Terasaki, qui est encore toujours très actif, il pense exactement la même chose. Et je pense que c'est le moyen qu'il faut suivre, la voie qu'il faut suivre. Et comme a dit Starzl, j'aime bien cette phrase qu'il a dit. Là, je ne sais pas si vous pouvez lire, mais il dit « A problem might be achievable, but only with great risk to yourself », parce qu'on peut dire que vous êtes fou, naturellement. « Risk of failure », parce que vous pouvez perdre des organes. « And also professional disgrace », parce que beaucoup des confrères ne croient pas ce qu'on fait et mettent en doute ce qu'on fait. Donc je pense qu'il y a un projet comme ça, il faut le faire avec documentation, vraiment par biopsie, etc., qu'on sait de quoi on parle. Et ma conclusion, c'est donc « less is more », donc moins qu'on prend de drogue, je pense que mieux ça va être pour les organes, mieux que ça va être pour les complications. Je suis un peu un fervent du yin et du yang, je pense que c'est comme ça, il faut manipuler ça un petit peu. Je pense qu'on peut y arriver. Et en conclusion, je voudrais dire, en transplantation d'organes, on peut voir tout de deux côtés différents. Vous voyez bien, c'est Escher, le fameux dessinateur, je pense, hollandais, qui a fait des bouquins avec des dessins comme ça. Je pense que le temps doit être là. Je suis convaincu de ça, que les chirurgiens doivent rester beaucoup plus impliqués dans le suivi des patients. Je pense que c'est fondamental et je suis aussi un fervent défenseur des centres de transplantation. Tout le monde ne pense pas comme moi, je le sais très bien. Mais je pense que maintenant, ce qui se passe en transplantation, trop de chirurgiens font la suture, ils ne voient plus le patient. Les patients sont suivis à 10 endroits différents et on change tout le temps leur traitement, on ne sait plus où on en est. Donc je pense qu'en étant systématique, qu'on peut en effet arriver, je ne dis pas que les patients doivent être sans immunosuppression, mais quand on prend peu d'immunosuppression, on se sent, je pense, beaucoup mieux. Et une chose qu'on oublie souvent, moins que les médications que le patient prend, plus qu'il est compliant, ce problème ne se pose plus non plus. Et je voudrais faire aussi, je suis un avocat un peu pour les investigator-driven studies. Je pense que l'industrie, finalement, domine beaucoup, beaucoup trop. Tout ce qu'on fait en transplantation, c'est un peu, je pense, comme en oncologie. On fait des protocoles, on change la dose, on double, on triple, on recommence. Et finalement, on n'avance pas beaucoup. Je vous remercie pour votre attention. Merci, c'est divers. Merci Yann. Et la parole est tout de suite à Jean Guggenheim pour sa première discussion. Bon,
Je voudrais tout d'abord féliciter Yann pour cette présentation qui est quand même un peu provocative pour les gens qui font l'immunosuppression en transplantation. Je veux dire, quand on était ensemble à Paul Brousse il y a 30 ans, le problème c'était en fait d'éviter le rejet. Hein, et on était bien contents qu'il y ait des drogues immunosuppressives efficaces qui sont apparues. Hein. S'il n'y avait pas eu la cyclosporine, s'il n'y avait pas eu le tacrolimus, les malades mouraient de rejet. Bon, il est clair que maintenant, on se rend compte que le risque de rejet aigu, chronique, a diminué et qu'on a plus les problèmes de l'immunosuppression, comme tu l'as dit très bien, les risques de problèmes métaboliques, d'insuffisance rénale, de cancer, qui sont liés donc à l'importance de l'immunosuppression. Alors, le foie, comme on l'a toujours appris, c'est un organe privilégié, hein, qui a un privilège immunologique, il est moins rejeté que le rein, je pense que ça quand même c'est vrai, et donc ça permet clairement de diminuer l'immunosuppression. Alors tu l'as dit, il se trouve que ce privilège immunologique va jusqu'à la tolérance, et il y a environ 20% des malades, 1 sur 5, chez lesquels on peut complètement arrêter l'immunosuppression sans qu'il y ait de rejet, ce qu'on appelle la tolérance opérationnelle. Et donc ça, ce sera ma première question, c'est-à-dire, est-ce que tu as des tests qui permettent de prédire quand même que le malade ne va pas rejeter si on arrête l'immunosuppression, parce que on a tous tendance à diminuer l'immunosuppression, à essayer de l'arrêter, mais bon, quand il y a un rejet, c'est quand même embêtant. Est-ce qu'il y a une possibilité actuelle d'individualiser les malades chez lesquels on peut arrêter complètement l'immunosuppression? Ensuite, le dernier commentaire, c'est que bon, on a des médicaments, comme tu l'as dit, de plus en plus efficaces, de plus en plus sélectifs, peut-être moins toxiques. Et donc, est-ce que il n'y a pas une place pour des nouveaux protocoles d'immunosuppression qui utilisent des médicaments moins toxiques que le tacrolimus? Et qu'est-ce que tu penses, par exemple, des inhibiteurs de mTOR là-dedans? Voilà. Et donc, tu essayes de peut-être de remettre à la mode cette notion également d'immunosuppression locale à l'intérieur de l'organe, puisque tu dis que ce qui compte, c'est pas le taux dans le sang, c'est dans l'organe. Est-ce que là, il y a donc la possibilité de faire une immunosuppression locale? Donc voilà mes trois questions. La tolérance opérationnelle, les nouveaux immunosuppresseurs et l'immunosuppression locale. Ok. Donc la première question, la tolérance opérationnelle, je pense qu'il faut faire attention quand on dit que 20% des patients peuvent être sans immunosuppression. On a travaillé là-dessus, on a un temps travaillé avec Sanchez Fueco qui est à Barcelone maintenant, qui déménage à Londres. Les 20%, je pense que c'est un chiffre dangereux de le projeter. Pourquoi? Parce que d'où viennent les 20%? Les 20% viennent de 8 articles où vous mettez les patients ensemble. Vous voyez à la fin combien de patients étaient sans immunosuppression, et c'était en effet 20%, mais ça faisait 500 patients dont on parlait qui étaient des patients hautement sélectionnés. Donc il faut faire attention. Je pense que le but ne doit pas être pour moi d'aller à zéro d'immunosuppression, mais de minimaliser, c'est une grande différence. Le patient qui prend encore de l'immunosuppression, il a encore une immunosuppression. Ça, c'est la première chose. En ce qui concerne les tests pour les tolérances, on sait que il y a beaucoup de recherches qui se font, ce n'est pas facile du tout et c'est surtout coûteux. Moi, je pense que des patients qui ont fait un rejet, qu'on ne traite pas, ce sont des bons candidats. On traite à peu près 10% maximum des patients qui font un rejet, même des rejets sévères. Je peux peut-être vous montrer, parce que je m'attends notamment toujours à cette question, c'est toujours la même. Une DIA, oui. Oui, oui. Mais je ne sais pas s'il va encore venir. Enfin, sinon, on la laisse tomber, ce n'est pas un problème. Mais les patients qui ont fait un rejet, souvent, qui n'est pas traité, ils vont d'habitude très bien par après. Moi, ça ne fait rien, on peut le laisser. Donc ça, c'est une chose pour sélectionner les patients. En ce qui concerne les tests, je pense que c'est encore un peu trop tôt. Sanchez Fueco, je l'ai encore entendu tout récemment, il y a sûrement du progrès qui s'est fait. Maintenant, il travaille, par exemple, beaucoup sur la présence de transporteurs de fer qui serait un indicateur que quelqu'un va être tolérant. Donc ça va déjà très très loin, c'est pas facile. Alors pour la deuxième question concernant les autres médicaments, nous savons que beaucoup de médicaments ont déjà été lancés pour essayer d'éliminer les produits asiatiques, hein, qui est
le pro-greffe, mais il y a quand même, je pense, aucun médicament qui sera très vite capable d'éliminer le tacrolimus. Et pour donner un exemple, dans le mTOR, donc la rapamune, nous, on a participé à la grande étude européenne pour l'utilisation de rapamune dans les patients porteurs d'un cancer hépatique. À peu près un tiers des patients doit arrêter à cause d'effets secondaires qui sont importants. C'est quand même pas un médicament qui est sans complications. Il a aussi ses problèmes rénaux. Souvent, il ne peut pas être utilisé si le patient a déjà une diminution de sa clairance de créatinine. Donc, il faut voir un peu. En ce qui concerne l'immunosuppression in situ, je pense, enfin, j'ai appelé ça in situ, mais là, je pense qu'il y a un potentiel. Donc, nous, à Bruxelles, on a un toxicologue qui travaille beaucoup là-dessus. Et en fait, l'idée m'était venue parce qu'il y a 20 ans, il y a une publication par la Mayo Clinic sur 8 patients chez lesquels ils avaient dosé la cyclosporine dans les tissus. Et ça, cette idée a été complètement abandonnée parce que c'était trop difficile pour faire l'extraction, etc., de l'immunosuppresseur du tissu hépatique. On a repris ça à Bruxelles, donc c'est M. Walmack qui fait ça, qui est vraiment un expert dans la toxicologie et dans tout ce qui est immunosuppression, et on a réussi à faire ça. Et on pense que ça doit être possible bientôt, mais c'est un peu coûteux, de faire, par exemple, le matin, vous faites la biologie, vous pouvez faire la biopsie, l'après-midi, vous avez les résultats, mais l'après-midi, vous avez aussi le dosage du tacrolimus dans votre tissu, et même éventuellement dans les lymphocytes. Et ça, je pense que ça peut être utile, parce que ça éviterait de traiter encore plus de patients. Je pense qu'on peut vraiment limiter le nombre de patients qu'on doit traiter. Et je pense que c'est ça que j'ai voulu dire avec la bombe atomique. Si on donne du début beaucoup, beaucoup, c'est comme pour moi pour un drogué ou quelqu'un qui fume 3 paquets de cigarettes, on ne va pas le faire arrêter demain non plus. Donc quand on commence bas, c'est toujours beaucoup plus facile d'aller de l'avant. Mais il y a beaucoup de travail encore à faire, ça c'est évident. Y a-t-il des questions ? Moi, je voudrais faire une très courte remarque à vous deux, aussi bien à Yann qu'à Jean. Je pense que l'idée de diminuer le traitement immunosuppresseur est une idée vraiment qui doit certainement nous motiver. Et ce que tu as dit, et tu as insisté dessus, sur l'entraînement des laboratoires qui nous poussent à consommer de plus en plus de médicaments pour des raisons que l'on sait bien, d'autant que elles payent quelquefois la recherche que nous faisons, payent les chercheurs, publient les articles, et quelquefois on a l'impression, et je pense que ça devrait être un sujet de débat parmi nous, de vendre les patients que nous avons à l'industrie pharmaceutique, puisqu'ils finissent par entretenir notre recherche clinique. C'est très dangereux, c'est vrai, et tu as raison de le dire. De l'autre côté, il est sûr qu'on a peur d'arrêter totalement l'immunosuppression. Pour te dire, ce que nous faisons à Paul Brousse, c'est un peu hypocrite. Nous donnons des doses vraiment tellement minimes qu'on se demande quelquefois si elles sont vraiment efficaces. Et quand un malade a 1 mg de tacrolimus par jour, on se demande si on n'est pas en train de faire de la quasi-tolérance. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de tolérance, mais c'est presque. La tolérance, c'est l'absence de tout médicament. C'est-à-dire que l'organe est totalement accepté par l'organisme. Alors, on n'ose pas affirmer la tolérance, comme le font certains en arrêtant volontairement les médicaments. Mais il faut dire que le foie, on n'a pas parlé, le foie elle se prête particulièrement à cela, ce qui est impossible de faire avec le cœur et avec le rein. Voilà, donc tu ouvres une voie, tu es un ardent défenseur de cette voie, tu as raison, et on va te suivre. Voilà. À petits pas, mais on va te suivre. Bah, si vous permettez, on va arrêter cette session, puisque le président me rappelle à l'horaire en disant que c'est 5h10, il ne faut pas dépasser 5h10, on y est. Et je vous remercie beaucoup. Je remercie d'abord les orateurs qui nous ont préparé d'excellents exposés, ainsi que vous qui vous êtes de façon très agréable prêté à cette audience. Merci beaucoup. Merci à tous.